Alors bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Café littéraire de Vevey pour cette soirée dans les Kubrick. Pour cette semaine en fait qui va être une semaine très cinématographique ici au Café littéraire parce que le jeudi, le prochain événement, le jeudi 3 mai, on a le vernissage d'un livre sur le cinéma militant français des années 60 et à l'occasion on va discuter, on va faire une conférence sur mai 68 et le cinéma. Donc cinéma militant en jeudi, aujourd'hui Stanley Kubrick. Deux mots sur le Café littéraire avant de donner la parole aux invités. Ce serait bien si vous pouvez visiter notre site internet alors, lecafélittéraire.ch et vous inscrire sur notre newsletter. Comme ça vous recevez tous les temps des mails avec les événements. Et parce qu'il y a des événements qui ne sont pas prévus dans le programme que vous pouvez trouver sur la table, donc du coup, vous serez très bien informé de tout ce qui se passe ici au Café littéraire. Et vous pouvez aussi, évidemment, visiter notre page Facebook. Alors, Stanley Kubrick et psychanalyse. Alors, cinéma et psychanalyse, avec un parcours presque date de la même période, commence en même temps, presque, on arrive à Kubrick, on verra, c'est la passion de chaque cinéphile de voir Kubrick allongé sur le divan. Donc, on a trois invités aujourd'hui ici. Axel Steifel, qui vient de artiste avec un parcours à l'école. Donc, c'est un des récents du jour, mais je suis l'Université de Lausanne, d'où une partie de l'équipe du Café littéraire Lyon en cinéma et école. Et des psychanalystes, Marc Andy et Renato Seidel. Voilà, j'ai bien prononcé le nom. Et on passe la parole directement. Et merci. D'être ici aujourd'hui et on est vraiment heureux de vous voir si nombreux. Merci beaucoup pour cette introduction. Alors, on m'a préparé de Marcel Duchamp. De Marcel Duchamp, il disait que parfois et souvent, l'artiste est plus intéressant que son œuvre. Alors je ne sais pas si c'est valable pour Stanley Kubrick. Vous me direz, je pense que peut-être on parlera peu de la vie de Stanley Kubrick et vraiment de son œuvre qui est beaucoup plus impressionnante que sa vie. Alors Stanley Kubrick, comme vous avez vu dans l'affiche, c'est son œuvre, elle est marquée par un ensemble, c'était un photographe, il en même temps très sensible par la musique, et il la choisissait, ses musiques. D'ailleurs, Marc-Antoine va nous montrer des extraits des musiques qu'il avait choisies, qu'il mettait dans un ensemble avec une histoire aussi. Il y avait le choix de la littérature, à partir de la littérature, ce qui donnait une œuvre globale et parfois assez impressionnante, à tel point que on vient de me dire ici que on n'apprécie pas Kubrick parce qu'il est trop parfait. Vous me direz si c'est le cas ou pas. Alors, pour cela, j'ai demandé à Axel Steifel de nous parler un peu de Kubrick, puisque Axel Steifel est artiste aussi, et une artiste très globale, dans le sens où elle vient de la vidéo, elle travaille maintenant avec le tissu en ayant passé par la musique. N'est-ce pas ? Et Marc-Antoine Anty, qui peut-être vous connaissez déjà, psychanalyste, membre de la SREP. Alors je passe tout de suite la parole à Axel Steifel. Merci. Bon. Donc oui, je suis artiste. Alors je pense qu'il est important un peu de préciser quel genre d'artiste je suis pour que vous puissiez localiser d'où je parle. La première image de Kubrick que j'ai emmagasinée, c'est le petit garçon qui déambule avec son tricycle dans les couloirs de l'hôtel dans Shining. J'avais 10 ans, à peu près par là. Et à la question si j'avais le droit de voir le film ou pas, mon père avait dit « Oh, c'est un film psychologique ». Et il se trouve que mon père est psychiatre. D'où l'importance de clarifier d'où on parle. Donc, parce que c'est toujours quelque chose qui parle à travers un individu, et ce quelque chose, c'est l'ensemble des expériences qui le constituent, et en l'occurrence des expériences médiées, entre autres par le langage,
les corps et notamment les technologies. Et donc le fil que je vais prendre finalement, c'est celui de, par les lunettes de la technologie que je vois traverser tous les films de Kubrick. Dans mon cas, je peux dire que ce qui m'a structurée, c'est, en tant qu'artiste, c'est la littérature et le cinéma, plutôt que les arts dits visuels. Donc la question du langage et l'appareil de reproduction technique occupe une place essentielle. Pour l'instant, je suis invitée à créer des expositions que je conçois comme des situations. Donc mon médium à moi, c'est l'exposition comme un champ d'interaction multiple. La question, c'est toujours une expo, mais pour quelle expérience ? Et en général, je cherche à transmettre une expérience du milieu vivant. Alors, le milieu vivant, on pourrait prendre le cas exemplaire de l'océan. On pourrait se demander s'il existe quelque chose ou quelqu'un qui puisse faire l'expérience de l'océan. Est-ce que l'océan peut-il être vécu alors qu'il dépasse la dimension de l'humain ? Alors, la question, quelles stratégies, quels outils sont à notre disposition pour rendre ce milieu présent, perceptible, palpable, sans passer par la représentation ou la simulation. Quand je parle de représentation, je prends l'exemple du tableau, un tableau qui représenterait l'océan. L'océan, on le voit, mais on sait qu'en fait, il n'est pas là. Dans la simulation, on fait comme si l'océan était là, et on substitue un océan pour un autre. Mais dans les deux cas, l'océan n'a plus rien à voir, ni avec l'eau, ni avec la vision. Alors, quand moi je rentre dans un milieu qui est celui de l'art, on a affaire à des institutions, des communicants, des techniciens et des publics. Sauf que cela se complique quand on se demande qu'est-ce qu'un public ? Et qu'est-ce qui produit le public ? Est-ce que c'est l'artiste ou le musée ? Est-ce que c'est la galerie ou le marché ? Alors dans ce contexte, on aurait plutôt intérêt à fermer les yeux, comme dans Eyes Wide Shut, pour véritablement comprendre dans quoi nous nageons. Alors si je prends l'exemple de Eyes Wide Shut, je vois ce Tom Cruise qui nage en plein cauchemar et gobe la mise en scène d'un sacrifice qui met fin à son envoûtement lorsqu'il est le témoin non désiré d'une scène d'orgie. Il ne devrait pas être là, il est témoin d'une orgie et on lui met en scène un sacrifice pour l'effrayer, pour l'enlever de cette scène. Son problème à Tom Cruise, c'est qu'il ne fait pas la différence entre le rêve, en l'occurrence le rêve de sa femme, qui rêve, qui fantasme qu'elle le trompe, la mise en scène à laquelle il a affaire, donc l'embûche qu'on lui met, et le réel. Et dans cette situation, il réalise qu'il est influençable et que le sentiment de réalité vacille lorsqu'on prête attention à des attracteurs intéressés. Donc si, ce que je veux dire par là, c'est que si nous nageons, nous nageons dans des dispositifs. Et il y a plein de dispositifs dans les films de Kubrick. Il y a des cartes interactives, comme dans Docteur Folamour, où on a toute l'assemblée avec le président des États-Unis et le russe et l'armée qui observe l'avancée des manœuvres de guerre. Il y a des distributeurs Coca-Cola, par exemple, qui est assez drôle. C'est dans un des campements de la guerre, un des commandants doit absolument appeler en ligne directe le président des États-Unis pour empêcher la catastrophe nucléaire. Et l'autre commandant ou chef qui le tient en otage par une mécompréhension
essaye de l'en empêcher et ne veut pas lui donner les sous. L'autre lui dit, le distributeur de Coca-Cola, il me faut des pièces, vas-y, défonce la machine, j'ai besoin des pièces pour appeler le président. Et l'autre lui dit, d'accord, je le fais, mais c'est à toi après la... c'est à toi de dealer avec Coca-Cola. Donc on a ici un dispositif de guerre versus le dispositif Coca-Cola. Sinon, on peut continuer la liste, il y a des bombes, il y a des labyrinthes, il y a des tranchées, il y a des architectures, il y a des fantômes, il y a des palais de mémoire, il y a des vaisseaux, des traversées spatio-temporelles. Et ça, c'est en général accompagné de mouvements caméra extrêmement lents, extrêmement spectaculaires, où on voit exactement tous ces appareillages, toutes ces technologies à l'œuvre. Une petite définition, qu'est-ce qu'un dispositif? D'après Agamben, en suivant dans les traces de Foucault, un dispositif, c'est tout ce qui a, d'une manière ou une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. Et donc le cinéma, il fait partie de l'ensemble des dispositifs médiatiques. La caméra, 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 dispositif sonore, c'est aussi un dispositif. C'est un outil dont l'intention est de produire des images. Comme une extension de l'homme, la caméra est un outil technique, donc une machine, qui est une simulation de l'œil. Une machine qui regarde. Et alors là, on pense à l'œil de HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Si Stanley Kubrick est photographe, son approche du cinéma est empreinte du médium photo. Et c'est d'abord un outil technique avec ses mécanismes propres. Marshall McLuhan, théoricien des médias, nous dit « le médium est le message ». Donc, par exemple, le message de la lumière, c'est l'information. C'est la partie tacite de l'invention de l'électricité. Les médias, ce sont les moyens de diffusion directs, comme le langage et l'écriture, ou le dispositif technique, comme la radio, la télévision, le cinéma, Internet, la presse, etc. Donc, les médias, c'est tout ce qui permet la communication. Kubrick lui-même, je regardais un documentaire sur lui, disait que ce qu'on cherche dans la photographie, ce n'est pas une photo, mais la photo de la photo. Et on se demande parfois, qu'est-ce qui nous pousse à prendre une photo? Est-ce que c'est un déjà-vu, une possibilité technique? L'outil est là, j'appuie sur un bouton. Est-ce que c'est un concours de circonstances? Alors j'appuie sur le bouton et puis quoi? Et puis il y a la validation, le choix, cette photo plutôt que celle-là. La photo, elle existe dans une interdépendance de photos parmi d'autres photos. Et alors la vie, elle n'est pas dans la photo. La photo n'est pas le mouvement, et même dans le cinéma, les images paraissent bouger, mais elles ne sont qu'une succession d'instantanés. Ce qui se joue dans le cinéma, ce ne sont pas les images, mais nos expériences accumulées, reflétées, suscitées par le médium film. Le message du médium film, ce n'est pas la vie. Alors qu'est-ce que c'est? Mystère. Proust, par rapport à la littérature, avait écrit « C'est la vie absente, enfin vécue ». Dans le cinéma, Guy Debord nous dit « La vie a été déportée au-delà de l'écran ». Et pourtant, le dispositif de la séance de projection, c'est encore une autre histoire. C'est la musique, sans quoi il n'y a pas de spatialisation, il n'y a pas de sensation, pas de temporalisation.
C'est aussi la présence des gens autour de soi, la synchronicité du visionnement, le rituel du rassemblement, le sentiment de collectivité qui s'y produit. Et cela fait des siècles que nos dispositifs travaillent à produire ce public-là. Par exemple, on a créé le genre des teen movies, les films pour adolescents, pour générer une culture du teen, pour générer une culture adolescente. Pourquoi ? Pour pouvoir justifier le rallongement des études aux États-Unis, pour garder les jeunes assez longtemps à l'école, pour que les adultes retrouvent leur place de travail après la guerre. Ça, ce sont des études des médias qui nous décortiquent ça. Et aujourd'hui, on voit une recrudescence de ces tactiques qui apparaissent par cycle, dans les années 50, les années 90, dont moi je suis un produit aussi, les années de la crise économique. Ces cycles indiquent aussi des révolutions technologiques. Alors, toujours Marshall McLuhan, en réalité, en pratique, le vrai message, c'est le médium lui-même. C'est-à-dire simplement que les effets d'un médium sur l'individu ou sur la société dépendent du changement d'échelle que produit chaque nouvelle technologie, c'est-à-dire chaque prolongement de nous-mêmes dans notre vie. Donc, ce n'est pas au niveau des idées et des concepts que la technologie a ses effets, ce sont les rapports des sens, les modèles de perception qu'elle change petit à petit, sans rencontrer la moindre résistance. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il dit que l'artiste, Kubrick, par exemple, il est expert à noter les changements de perception sensorielle. C'est lui qui sait que la vie, elle varie et elle est discontinue dans ses formes. Voilà, donc le fil rouge des films de Kubrick, ce sont ces instruments techniques, la technologie, mais la technologie, au fond, elle est rien sans la question, au fond, de l'humain. Dans une interview de Bernard Weinraub dans le New York Times, Kubrick dit « One of the most dangerous fallacies which has influenced a great deal of political and philosophical thinking is that man is essentially good and that society is what makes him bad. » Donc, tout ce qui a dirigé la politique et la pensée philosophique, ce serait une idée de l'homme comme bon et que la société est ce qui fait de lui mauvais. Alors, au-delà de la question du bien et du mal, qui est une question bien trop américaine, moi je vois la question, sommes-nous humains? Qu'est-ce que l'humain? Quand sommes-nous devenus humains? Sommes-nous restés humains? Avons-nous jamais été humains? Sommes-nous arrivés enfin à l'humain? Et alors, comment en est-on arrivé à inventer l'humain? C'est-à-dire une des espèces, la seule qui se questionne sur elle-même. Et alors, je me suis, pour répondre à cette question, appuyée sur un petit livre qui est une collection de notes sur l'archéologie du design par Béatrice Colomina et Marc Wigley, Are We Human?, dans lesquels ils disent « L'humain devient humain en se voyant reflété dans les choses qu'il fait. » Ou alors, c'est qu'il voit sa possibilité d'être humain dans ces choses qu'il fait. Donc, l'humain, il ne fait pas qu'inventer des outils, ce sont aussi ces outils qui inventent l'humain. Plus précisément, l'outil et l'humain se produisent mutuellement. Et les artefacts qui étendent son esprit et sa portée de manière prosthétique, ce sont ceux qui rendent l'humain proprement humain. La prothèse, elle ne se réduit pas à l'extension du corps humain, c'est la constitution de ce corps en tant qu'humain. Et alors, j'aimerais terminer sur un autre passage de Marshall McLuhan. Et je vais lire et je vais essayer de le décortiquer. J'aimerais savoir
ce qui se produirait si l'on se mettait tout à coup à tenir l'art pour ce qu'il est réellement. C'est-à-dire une indication précise sur la façon dont il faut remanier ses facultés sensorielles, imaginatives, pour se préparer un prochain coup, au prochain coup de leur prolongement, au prochain coup en fait des technologies. Cesserions-nous alors de considérer les œuvres d'art comme l'explorateur l'or et les pierres précieuses dont se parent de simples primitifs? Quoi qu'il en soit, l'art expérimental renseigne les hommes avec précision sur les prochains assauts que livreront à leurs esprits leurs propres technologies. Et ces technologies, finalement, elles ont leurs problèmes, c'est-à-dire que, comme toute prothèse, elles frottent, elles sont plus ou moins acceptées, elles sont plus ou moins habitées, et du coup, il faut faire quelque chose avec ces frottements, avec ces inflammations, et donc le cinéma est une forme de prendre en charge, d'accompagner ces frottements. Donc, ces parties de nous-mêmes que nous projetons hors de nous sous forme d'invention sont en effet des tentatives de compensation ou de neutralisation des inflammations ou des pressions collectives. Mais le calmant finit généralement par se révéler comme un plus grand mal que l'inflammation initiale, un peu comme une narcomanie. Et c'est ici que l'artiste peut nous enseigner à suivre le coup et à l'amortir au lieu de l'encaisser droit au menton. Je ne puis que répéter que l'histoire de l'humanité est une longue suite de directs au menton. Voilà. Merci beaucoup, Marcel. Donc, tu as commencé, et le point de départ est peut-être le fil rouge, c'était la question de la technologie que tu associais au facteur humain et qui me semble être en même temps la question de 2001, ouais. N'est-ce pas? C'est le film, je dirais, presque le plus existentiel de Kubrick qui est presque, il y a un côté presque évolutionniste dans ce film et qui parle justement de à quel moment la technologie elle rend l'humain humain à travers la violence. Parce que la violence, c'est une autre question qui revient dans tous les films de Kubrick. Tu as parlé aussi des dispositifs, n'est-ce pas? Comme par exemple de la guerre versus Coca-Cola, ou du rêve versus la réalité qui nous mène dans Eyes Wide Shut. Bon, là, j'aurais presque envie d'entrer dans les détails de Eyes Wide Shut, mais je laisserai ça pour la discussion. On ne va pas rentrer dans les détails de chaque film, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Je reste encore un peu dans la généralité. L'autre question, c'était l'importance du public. Ça veut dire, à partir de cette question du médium égal au message, on le voit très, très clairement, cette histoire de la caméra et de l'œil, comment la caméra, Kubrick, il est fasciné par la caméra. On voit dans tous les commentaires de Kubrick, on voit Kubrick derrière la caméra et il est par terre, il est là-haut, il est à droite, à côté, toujours derrière la caméra, en train de filmer quoi? Des yeux, n'est-ce pas? Que ça soit dans Eyes Wide Shut, d'ailleurs c'est presque l'affiche de Eyes Wide Shut, le regard comme ça, dans Lolita aussi, il est en train de faire l'amour, en train de regarder une photo, le regard, ça veut dire le regard confondu avec l'œil, c'est une autre chose récurrente où il y a ce mélange du médium et du message. Puis, évidemment, tu as parlé de la musique aussi comme temporalisation, ce qui est très intéressant, même si le film en soi, il a aussi ce côté diachronique. Pour terminer sur la question de l'art comme inflammation, ça c'est vraiment, tu as mis de la poésie là, et puis Kubrick lui aussi il mettait de la poésie partout, n'est-ce pas? L'art comme inflammation et comme inflammation liée au collectif.
puisque je pense que Kubrick, il ne perdait pas de vue, c'est le cas de le dire, le collectif et surtout le public, puisque Kubrick, c'était aussi un businessman. À certains moments, il n'a pas hésité à faire du commercial pour pouvoir s'en sortir lorsque Barry Lyndon n'a pas été un succès commercial comme il l'aurait escompté, même si tous ses films ont fait du bénéfice. En aucun moment, il était dans le rouge. Mais là, il voulait encore plus de bénéfices, alors il a fait un film de façon à appeler le public. Alors bon, j'arrête là. C'est pas ma place de faire les commentaires, c'est plutôt à Marc-Antoine Danty. Bon, on va faire un premier intermède musical. C'est la numéro 1. Électronique par Wendy Carlos, des funérailles de la Reine Marie de Roy Purcell, et c'est la musique du film Orange Mécanique, reconnu. Voilà, donc ma présentation, c'est très bien, ma présentation se complète. Je me suis intéressé, en fait, elle sera en trois chapitres, je prends un peu la mode de Barry Lyndon avec tous ses chapitrages. Donc le premier chapitre de ma présentation sera: le cinéma de Kubrick, est-ce un discours sur la liberté ou sur la destinée? Le deuxième chapitre, le cinéma de Kubrick, un discours critique et ironique sur l'homme. Et puis, dans la dernière partie, je me suis intéressé à en quoi une œuvre théâtrale ou cinématographique est-elle intéressante ou plaisante et quelles en sont les raisons. Voilà un peu les chapitres. Alors je commencerai par une citation du critique de cinéma Gérard Legrand, dans un joli article qui résume pas mal de points importants de l'œuvre de Kubrick, donc tiré de l'Encyclopédie Universalis. Je le cite: esprit versatile et paradoxal, de tendance progressiste, mais hanté par le pessimisme quant à la bonté de la nature humaine, Stanley Kubrick a pratiqué un cinéma presque confidentiel avant de se retrouver hissé à la célébrité internationale avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà. Dans ce premier chapitre, voilà, je me suis posé la question, voilà, les héros de Kubrick semblent être des héros au destin tragique, prédestinés au malheur, au drame. Est-ce que le sort s'acharnerait contre eux? Ou bien souffrirait-il finalement d'une compulsion à répéter le malheur, d'une sorte de névrose de destinée, avec toute la question, je dirais, dans beaucoup de ses films, de l'agressivité qui semble être présentée comme inhérente à l'humain, qui semble être indomptable, ou domptée insuffisamment par la culture, ou même agressivité induite par la culture. C'est un peu la lecture que je faisais par rapport à Orange Mécanique. Il y a quand même ces questions-là qui sont posées, plus spécifiquement dans ce film. Voilà, donc l'humain se fait en quelque sorte l'instrument de son propre malheur. C'est une question que je pose, et je vais vous citer quelques films, quelques extraits, quelques citations de ces films. Je vais commencer par un de ses tout premiers films, c'est son deuxième long-métrage, Le baiser du tueur. C'est un magnifique film en noir et blanc, c'est en fait l'histoire, une histoire d'amour un peu dramatique, mais qui finit bien, entre un boxeur et une femme qui finalement travaille dans un dancing. Elle fait danser des gens, puis elle a un manager avec un chef avec qui elle a des relations intimes. Et puis, c'est un petit peu leur histoire, c'est une sorte de polar. Alors, au tout début de on se retrouve avec le héros, le boxeur, qui est en train d'attendre son train à New York, à la gare. Et puis,
il se fait la réflexion suivante. Une sorte, selon moi, d'aveu de son impuissance, contrairement à ce qu'il en dit. C'est fou comme parfois on se met dans le pire pétrin et on n'arrive ni à réfléchir de façon sensée, ni à penser à quoi que ce soit d'autre. À tel point qu'on n'est plus bon à rien, ni à personne. Peut-être prend-on la vie trop au sérieux. C'est comme ça que ça a commencé pour moi, juste avant mon combat contre Rodriguez, il y a 3 jours. Et ensuite s'ensuivent les événements de ces 3 derniers jours. En tout cas, la suite de ce film semble plutôt montrer une absence de prise sur les événements. Il y a en fait 2 événements majeurs dans ce film, à savoir ce boxeur à cette danseuse entraîneuse dans ce dancing comme voisine, et puis par un malheureux hasard, donc il doit se rendre à ce combat contre Rodriguez, contre lequel il va perdre, et manque de chance, son propre manager a du retard, donc finalement il doit se rendre à pied au combat. Donc finalement, il se retrouve dans les escaliers à sortir de l'immeuble avec cette belle femme, qui est attendue justement par son patron, qui est, à nouveau un thème très fort chez Kubrick, extrêmement jaloux, assez paranoïaque. Alors il suspecte déjà quelque chose. Là, il y a déjà une entrée dans le drame. Ensuite, il y a un autre passage, donc le patron de cette jeune femme va essayer de tuer le boxeur, il va se tromper de personne dans le film, et toujours un hasard, un mauvais hasard, un retard, il faudrait voir le film, mais c'est finalement, il va prendre le boxeur pour le manager du boxeur et tuer la mauvaise personne. Voilà. Dans ce premier exemple, l'issue, comme je le disais, de ce film est plutôt heureuse. Les deux protagonistes vont finir sains et saufs. Le patron jaloux va être tué lors d'un combat avec le boxeur. Et puis finalement, les choses se finissent bien. C'est peut-être un des... C'est le film de Kubrick où finalement l'issue est plutôt positive. Donc les deux se retrouvent, prennent le train ensemble, trouvent l'amour et un soutien mutuel. Deuxième exemple de cette question que je pose, voilà, le cinéma de Kubrick, est-ce un discours sur la liberté ou sur la destinée? C'est l'ultime radia, The Killing. Donc, là aussi, drame, donc c'est l'histoire d'un casse, d'un vol dans un champ de course qui est finement orchestré. Et puis, au tout début du film, on voit un des bandits qui est avec sa compagne. Il vient de sortir de prison et sa compagne est démunie. Elle redoute qu'il ne retourne en prison. Et finalement, donc, il y a ce casse qui s'organise, qui est minutieusement orchestré. Et à la fin, je vous épargne tous les détails du film, mais à la fin, finalement... rien ne marche, ils font le casse, mais finalement, tous les protagonistes finissent tués, et puis à la fin, le bandit dont je parlais part avec l'argent avec sa compagne, et finalement, il est démasqué par malchance. Il va prendre l'avion, et puis le sac d'argent est sur les bagages, et puis par manque de chance, il y a le chien d'une des passagères... s'échappe, et puis la valise qui se trouve sur une de ces petites camionnettes est renversée, puis l'argent est dispersé au vent. Donc voilà, hasard malheureux, enfin voilà, la fin malheureuse, il finit en prison. Voilà. Autre exemple, je cite Barry Lyndon, donc, qui est l'histoire d'un personnage égocentrique dont l'enfance est caractérisée par une certaine précarité. Son père meurt en duel. Et il est l'instrument de son propre malheur, bien qu'en début du film, et celle-là on ne partage pas l'avis du narrateur, bien qu'en début du film, juste après, donc c'est un film toujours compliqué, c'est des films assez à rallonge, mais c'est vraiment une sorte de succession de péripéties, à savoir un jeune homme qui... Barry Lyndon est
est jeune homme, il est amoureux de sa cousine, et puis sa cousine lui offre son cœur, et puis finalement cette cousine tombe amoureuse d'un beau militaire, un beau capitaine, et puis Barry Lyndon est follement jaloux de cette personne, et puis il va provoquer en duel ce capitaine. Alors voilà ce que dit le narrateur au tout début du film. Combien différent aurait été le sort de Barry s'il ne s'était épris de Nora et s'il n'avait jeté son vin au visage du capitaine Quinn. Mais il était voué à être vagabond. Le duel avec Quinn le lança tout jeune dans ses pérégrinations, comme vous allez le voir. Un peu plus loin dans le film, donc finalement il y a toute une péripétie, il va être engagé comme militaire dans l'armée anglaise, ensuite il va déserter, ensuite il va être pris par les Prussiens, ça se passe en fin de guerre de 30 ans. Et puis il est décoré, récompensé pour des exploits alors qu'il est à la solde des Prussiens. Donc, plus loin, le colonel Prussien, qui le récompense pour sa bravoure au combat, lui dit ceci. « Vous êtes un brave, évidemment de bonne souche, mais paresseux et sans scrupules. Mauvaise influence sur les hommes. En dépit de votre bravoure, je suis sûr que vous finirez mal. » Donc voilà, la vie de Barry Lyndon est une succession de péripéties, de renversements qui aboutissent finalement à un duel avec son fils par alliance. Il va perdre l'usage d'une jambe, puis il va perdre ce duel et puis finalement il va être banni et retourner finalement de sa misère initiale. Alors tout au long du film, c'est toute cette recherche d'accéder à un statut de notable. Voilà. Nous allons passer au deuxième extrait musical, qui est un trio pour piano et cordes numéro 2 en mi bémol majeur de Franz Schubert. C'est tiré de Barry Lyndon. Un dernier exemple tiré des films de Kubrick concernant cette question, voilà, est-ce que c'est un discours sur la liberté ou sur la destinée, en quoi l'individu a un bout de responsabilité dans ce qui lui arrive, c'est le film de Dr. Follamour où finalement il y a un désastre inéluctable, la bombe atomique que tout le monde s'évertue de ne pas faire exploser va finalement exploser. Et ce, malgré les avaries de l'avion qui transporte la bombe. Voilà. Je vais passer au deuxième chapitre, donc le cinéma de Kubrick, un discours critique et ironique sur l'homme, point d'interrogation. Donc, dans les personnages, beaucoup des personnages des films de Kubrick présentent une certaine cupidité, un manque d'humanité et d'intelligence. Même, pour citer justement 2001, l'Odyssée de l'espace, même l'ordinateur HAL, finalement, s'humanise. C'est très très drôle. Alors c'est un peu long de résumer le film, qui d'ailleurs est passionnant, parce qu'il interroge sur la condition humaine, il fait même une hypothèse sur le développement de l'intelligence humaine à partir de cette pierre, ce parallélépipède rectangle qu'on retrouve à la préhistoire, et puis qu'après on retrouve sur la Lune, enfin... il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce qui est très amusant, c'est qu'à un moment donné, donc on est dans un vaisseau spatial avec l'ordinateur HAL, qui est un ordinateur censé ne faire aucune erreur, dernière génération. Et puis, alors il transporte des passagers qui sont en hibernation, et puis deux techniciens qui s'occupent de gérer la chose, main dans la main avec HAL. À un moment donné, il y a une interview d'un journaliste qui veut savoir comment avance justement l'expédition. Et puis, à un moment donné, le journaliste un peu
l'impression voilà, que Hall est assez fier de montrer ce qu'il sait faire, toute cette performance, performativité dont il fait preuve. Et puis le journaliste se demande si Hall peut avoir des émotions sincères. Et finalement, Hall se révèle un peu à l'image de son créateur, quand même il est pris d'une crise un peu de paranoïa, d'une crise narcissique, il devient perfide avec ses deux astronautes, et il va tuer l'équipage qui est en hibernation, un des deux astronautes, donc il va devenir très, très fou, enfin finalement très humain. Alors, je ne peux pas m'empêcher de vous citer un passage. Malheureusement, on n'a pas de beamer, on n'a pas de dispositif technique, ni le lieu n'est pas conçu pour. Alors, pour vous donner une image de la texture de ce film, j'ai pas résisté à vous citer un passage, donc le moment où Hall est sur le point d'être désactivé par l'astronaute survivant, le dernier à survivre, qui s'appelle Dave. Alors voilà ce que dit Hall, il a le couteau sous la gorge, si je puis dire. « Je sais que j'ai posé des problèmes, mais je peux t'assurer en toute confiance que tout rentrera dans l'ordre. Je me sens beaucoup mieux. »« C'est vrai. Écoute, je vois bien que tu es dans tous tes états. Sincèrement, tu devrais t'asseoir, prendre un calmant et réfléchir. Je sais que j'ai pris de mauvaises décisions récemment. » Mais je peux t'assurer que mon travail reprendra normalement. Arrête, Dave. J'ai peur, Dave. Dave, ma raison s'efface, mon esprit s'en va. Je le sens. Puis ensuite, voilà, donc Dave lui retire un peu toute sa mémoire, donc un peu selon la loi du psychiatre Ribot, donc les souvenirs récents disparaissent, donc il devient un peu débile, Hall. Il régresse complètement, et puis il lui reste des souvenirs anciens. Donc voilà, c'est une chanson d'enfance. Exactement. Alors Hall régresse et entonne une chanson d'amour, Daisy, Daisy, qui a été apprise par son instructeur. Voilà. Fin de citation. Nous allons passer à un troisième extrait musical, qui est du compositeur du XXe siècle, Georgi Ligeti, donc toujours en lien avec l'Odyssée de l'espace, avec cette atmosphère assez étrange, assez méditative, ça s'intitule Lux Aeterna, donc on mettra 2 minutes. Quelques exemples sur ce discours critique et ironique. Les Sentiers de la gloire, bien entendu, avec Kirk Douglas qui incarne le colonel Dax. Donc c'est l'histoire, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, et les soldats doivent prendre une position qui est impossible à prendre, mais pour la gloriole du général en chef, cette action va être livrée, ça va être une débâcle. Et puis, pour couronner le tout, ce général va accuser de lâcheter les soldats, alors qu'ils étaient dans l'impossibilité de progresser, de prendre cette position. Et comme exemple, pour stimuler les troupes, ils vont devoir abattre, ils vont devoir condamner trois de ces soldats, qui vont être choisis au hasard. Alors voilà ce que dit, c'est un procès mascarade qui a lieu, et voilà ce que dit Kirk Douglas. « Messieurs de la cour, il y a des instants où j'ai honte d'appartenir à la race des hommes, et j'en ai ici l'occasion. » Fin de citation. Autre exemple, je reviens sur Barry Lyndon, donc qui se montre un personnage très égocentrique, attiré par son intérêt, qui laisse tomber sa belle et jeune femme, Lady Lyndon. Le seul, la seule affection qu'il
on perçoit, en tout cas au cours de ce film, concerne son propre fils qui va mourir tragiquement d'une chute à cheval après lui avoir désobéi. Je citerai encore Orange Mécanique. Il y a tout un discours, une ironie sur la rigidité et l'inhumanité des pouvoirs, que ce soit le pouvoir politique, religieux, la police, des parents démissionnaires. Donc c'est l'histoire d'une bande d'adolescents qui prennent plaisir à se livrer à des bagarres, à des meurtres et à des viols. Et voilà. Un des personnages, justement le héros est fan de Beethoven, la 9e de Beethoven, et il va subir une cure de désensibilisation pour le normaliser. Voilà. Donc c'est... En regardant ce film, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Malaise dans la culture de Freud de 1929, avec, qui pose la thèse principale, et quand même, face au malheur et à l'hostilité de la nature, la culture fait-elle solution ? Ce film démonte la chose. Dernier exemple cinématographique, Full Metal Jacket, qui est un film extrêmement ironique. D'ailleurs, le prochain extrait un extrait très, très joyeux, des Trash Men, on ne va pas le passer tout de suite, mais je vous dirai bon. Et des Trash Men, donc un groupe de l'époque, et ça s'appelle Surfing Bird, donc l'oiseau qui surfe. Donc ça contraste, je pense, toute la culture du surf, qui est un peu aussi une opposition à ce pouvoir un peu rigide de droite à cette époque. Et donc il y a toute une ironie à travers la musique, et qui jouxte des scènes assez épouvantables où il y a c'est quasi un documentaire par moment, je trouve. Donc il y a une première partie où donc c'est des jeunes dans Full Metal Jacket, des jeunes soldats qui vont être envoyés au Vietnam, et la première partie concerne leur entraînement. D'ailleurs dans le film, l'instructeur était un militaire, et je crois qu'il a improvisé une des premières scènes. La première scène qu'il joue, il met au pas les jeunes, je crois qu'il a improvisé la chose, enfin il a fait son job. Et c'est quasi un documentaire où on voit ce conditionnement, cette atmosphère un peu de cruauté entre les militaires. Après, on a la deuxième partie où ça se passe au Vietnam, et puis des soldats se retrouvent dans les hélicoptères, avec des militaires qui s'amusent à chasser, de faire une sorte de chasse à cours depuis l'hélicoptère. Ça, c'est des choses qu'on peut voir dans les documentaires, où pour s'occuper, certains gradés prenaient un hélicoptère au Vietnam, et puis allaient se balader, et puis allaient assassiner des gens qui travaillaient dans les rizières. Donc il y a cette atmosphère, cette espèce d'horreur de la guerre, et toujours cette ironie, cette moquerie, peut-être pour rendre supportable la chose, ou peut-être pour accentuer l'horreur de ces images. Donc je vous passe on va passer cet extrait très joyeux, Trash Man. Dernier chapitre, en quoi une œuvre théâtrale ou cinématographique est-elle intéressante ou plaisante, et quelles en sont les raisons? Alors, je me suis amusé à reprendre certaines thèses de la poétique d'Aristote, de prendre certains propos tenus par l'acteur Peter Ustinov, qui joue dans Spartacus et qui parle en partie du film Spartacus. J'ai extrait aussi très rapidement une thèse de Brecht, et puis je me suis intéressé à vous décliner un petit peu qu'est-ce qui me semblait, c'est personnel, mais qu'est pourquoi l'œuvre de Kubrick est-elle intéressante et aime-t-elle le spectateur. Alors commençons par Aristote. Donc, dans sa poétique, il s'intéresse à la tragédie, et il considère la tragédie comme l'imitation d'une action supérieure réalisée par des personnages en action et non au moyen d'un récit, avec un effet produit, c'est la purgation via la crainte et la pitié. Pour lui, le plaisir émotionnel dans la tragédie, il vient de la pitié, parce que le sort du héros est immérité. Le plaisir, il vient du spectateur, il vient de la crainte, en raison d'une sorte d'identification au héros, donc par cette catharsis.
mais aussi de la surprise grâce aux revirements et aux reconnaissances. Donc il y a à chaque fois des renversements de situations. Édipe, par exemple, ben, il y a un revirement, c'est quand il réalise qu'en fait, voilà, il a couché avec sa mère et que c'est lui qui est la cause du malheur dans le pays, par exemple. Je vous cite un ou deux passages rapidement. Ce qui tirait de la poétique. Ce qui plaît dans une tragédie, ce sont les moments de l'histoire, c'est-à-dire les péripéties et les reconnaissances. Autre extrait, donc Aristote mentionne que les événements suscitent crainte et pitié, et l'intensité émotionnelle sera d'autant plus grande quand les événements, je le cite, se produisent contre notre attente, car ils paraîtront alors plus étonnants et que s'ils s'étaient produits spontanément ou par hasard. Parmi les coups du hasard, ceux qui semblent s'être produits comme un dessein semblent les plus étonnants. Autre extrait de la poétique. Et puisque le poète doit procurer le plaisir qui vient de la pitié et de la crainte par le biais de l'imitation, il est clair qu'il doit faire naître ce plaisir des situations. Passons à Peter Ustinov. Dans deux interviews, je vous citerai les extraits pour illustrer la chose. La qualité d'une œuvre semble résider dans les contradictions internes des personnages et dans une prise de conscience des similitudes entre ce qui est présenté et notre vécu propre, sorte de prise de conscience par l'étonnement. Interview sur Spartacus de 1960. Mais j'ai aussi une petite maxime, une petite règle à moi. Il vaut toujours mieux jouer un héros avec un point faible ou un méchant avec un cœur. Un personnage doit avoir trois dimensions et une forme de contradiction interne pour être intéressant. C'est le cas de mon rôle dans Spartacus, un homme donc, qui joue le rôle il achète des esclaves pour les transformer en gladiateurs. Mais c'est le cas de mon rôle dans Spartacus, un homme qui n'accorde aucune valeur à la vie, tout comme son entourage. Mais il n'est pas non plus complètement mauvais, et peut-être cet exemple tiré du film en est la preuve. Il y a un extrait à la fin du film où il fait preuve d'humanité, son personnage. Autre extrait tiré d'une interview de 92, celle-ci. La vie est pleine d'humour. Pour moi, la comédie n'est qu'une tragédie qui a mal tourné. Bien sûr, la tragédie n'est qu'une comédie qui a mal tourné. Tout peut arriver tout le temps, car la vie est pleine de surprises. Et le travail le plus accompli est celui où vous ignorez si on va vous demander de rire ou de pleurer. C'est ça un vrai drame pour moi. Pourquoi séparer la comédie d'un côté, la grosse farce de l'autre, ou ailleurs, la tragédie? Il faut un mélange de tout pour que ça soit comme la vie et que les gens revivent leurs propres expériences. Tout drame, en fait, repose sur des éléments que les gens ont vus, mais n'ont pas vraiment remarqués. C'est ce que fait Shakespeare, de porter ça un cran au-dessus et de capter votre attention au point de vous exclamer « Mon Dieu, c'est vrai, je n'y avais jamais pensé ». Faux, bien sûr que les spectateurs y ont pensé, mais ils ne l'ont pas traduit en mots ni en actions. Ça ne les avait pas encore émus ou fait rire. Et c'est tout l'art d'une vraie tragédie. Ce qu'il dit, ça s'observe aussi, ce mélange de tragédie et de comédie dans un drame, ça s'observe par exemple dans le film Lolita. C'est donc un des protagonistes, à nouveau un jaloux. Il y a cette jalousie maladive du professeur de littérature qui est interprété par James Mason. Et il y a des scènes, c'est un drame, mais il y a des scènes extrêmement drôles, notamment, enfin, moi, qui m'ont fait énormément rire par leur incongruité, par leur ironie. C'est la scène du bain, du bal avec Peter Sellers. Il y a la scène du bain de James Mason juste après le suicide de son épouse. Il y a aussi toutes ces facéties de Peter Sellers à l'encontre de James Mason qui donnent justement ce duo. C'est à la fois tragique, mais à la fois très vivant, à la fois très... Je trouve que ce film illustre assez bien les propos de Peter Ustinov. Autre déclinaison, qu'est-ce qu'il y a de beau dans une œuvre? Pour Brecht, c'est une visée, c'est un terme plus politique. Le but, c'est de questionner le spectateur via une distanciation, de créer un effet d'étrangeté et de surprise qui va questionner le spectateur sur sa condition, sur sa position sociale, sa position politique. Alors, j'en viens au dernier sous-chapitre. L'œuvre de Kubrick est selon moi intéressante parce qu'elle émeut et questionne le spectateur en utilisant les moyens suivants.
Il y a la question de l'identification, donc les thématiques nous concernent, les personnages sont aussi assez complexes, comme on l'a vu dans les deux premiers chapitres. Elle est intéressante, cette œuvre, elle émeut par les revirements, les contradictions et une certaine ironie qui, à la fois, permet une distanciation, un questionnement, mais en même temps accentue le côté tragique des choses. Les émotions fortes sont produites en partie par la beauté de la musique, comme on a pu l'entendre dans ces extraits, des images et des lieux. Donc on voit par exemple qu'il y a des architectures oppressantes et obsessionnelles, labyrinthiques dans Shining, qui contribuent à créer le malaise et l'angoisse. Il y a des architectures froides et uniformes dans Full Metal Jacket. On voit ce dortoir dans lequel vivent tous ces soldats dans la première partie du film. Et puis ça appuie en quelque sorte ce climat de pensée unique, de conditionnement, cette idée d'un refus d'individualité qui est propre à toute armée. Il y a aussi ces musiques angoissantes, on le passera juste après, le Requiem de Gheorghi Ligeti dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui illustre, cette musique selon moi illustre assez bien l'état initial de néant qui précède à l'apparition de la vie. Donc on va passer un court extrait, la musique est angoisse trop, allons-y. De caméra à ce moment-là, face à cette pierre, on voit la lune, le soleil, juste au-dessus de la pierre. Assez d'angoisse. Bon, il y a ces musiques, il y a une musique discordante, donc ironique, tout au long de Orange Mécanique, par exemple. Pour continuer à qu'est-ce qui capte, qui rend beau le film et qui émeut le spectateur. Il y a aussi l'esthétique des images. Je pense par exemple aux images photographiques du baiser du tueur. Donc, petit intermède biographique. Donc, Stanley Kubrick, adolescent, s'est adonné à la photographie. Même adolescent, il a travaillé en tant que journaliste. Il a travaillé notamment pour le journal Life. Et puis il y a des passages, notamment qui sont magnifiques, des scènes sur les toits de New York qui sont splendides. C'est vraiment de la photo. Je dirais même, dans certains de ces films, on a l'impression de voir de la peinture flamande, de la Renaissance. Moi je pense à du Jérôme Bosch ou à du Bruegel, l'ancien. Quand on voit l'image du charnier, quand l'armée romaine a anéanti tous les gladiateurs, il y a des charniers de corps, il y a une beauté de l'image dans les rouges, c'est assez impressionnant. Et puis, il y a pour moi aussi la peinture figurative du 18e dans Barry Lyndon, où il y a vraiment des tableaux, on a l'impression de voir des peintures. C'est un autre effet technique, c'est ces enchaînements d'images, comme au tout début de 2001, 2017, l'espace, l'homme des cavernes qui s'est redressé, jette le tibia, un tibia, dans l'air, et puis ensuite, il y a un enchaînement avec cette valse de la navette qui essaye d'atterrir sur orbite. Sous le son de la musique, on va la passer juste après, le Bouddha du bleu de Johann Strauss, c'est vraiment une valse entre deux navettes. Et puis, il y a aussi ces enchaînements d'images dans 2001, l'Odyssée de l'espace, avec l'iris de Dé, donc l'astronaute survivant, et des constellations. Et on part dans un voyage un peu sous LSD à ce moment-là. C'est des choses extrêmement belles qui produisent une émotion forte. Donc on va passer cet extrait du Bouddha du bleu de Johann Strauss et je vais m'arrêter. Ouais. C'était un peu long. Hein.
Merci beaucoup, maestro. Merci beaucoup, Marc-Antoine. C'était... Merci aussi pour ce choix musical, parce que ça, ça montre bien la diversité musicale des choix de Patrick. Et c'est pour réussir à transformer la musique de Ligeti en best-seller, parce que c'est devenu un best-seller, n'est-ce pas? Ça a vendu énormément là, ce disque sur le film de 2001, et c'est devenu très connu. Ligeti est devenu connu presque grâce à Kubrick. Donc il faut le faire. Il a réussi, c'est cette chose incroyable. Vous avez parlé de... Vous avez cité Freud dans le malaise de la culture comme solution au malaise, au contraire de Kubrick, où ça serait l'agressivité induite par la culture. Moi, j'introduirais un troisième point qui serait propre aussi à Kubrick, c'est pas seulement l'agressivité induite par la culture, mais aussi l'agressivité et le malaise qui seraient producteurs de culture. Donc c'est très frappant dans 2001, lorsque l'outil devient un instrument de meurtre, devient aussi instrument de civilisation et qui aboutit dans toute cette aventure dans l'espace tout à fait incroyable. Donc chez lui tout le temps, la violence, parce que c'est pas seulement l'agressivité, c'est la violence, la destructivité est productrice, elle vient mêler à la civilisation et à la culture. Ou même le cinéma de Kubrick, finalement. Oui. Il part de cette vision négative sur la culture, cette agressivité, il en fait un truc bon. C'est ça. Alors, Axel, elle a pris un fil rouge sémiologique à travers la question de la technologie, de la relation de la technologie et de l'humain. Vous avez pris un fil rouge philosophique, la dialectique entre la liberté et la destinée. Moi, j'aimerais appuyer un peu plus la question psychologique et vous poser cette question sur la place du psychologique chez Kubrick, qu'elle n'est pas toujours évidente, n'est-ce pas? Bon, vous avez parlé de la jalousie, de l'agressivité, la question de la pitié, de la crainte, vous avez parlé presque plus par rapport à Aristote que par rapport à Kubrick, n'est-ce pas? Moi, j'ajouterais la question de l'angoisse dans Shining, de la mélancolie dans Barry Lyndon, et je dirais de l'idéal en tant que passion, hein, dans la mesure où il y a ce que vous avez mis tout au début, le perfectionnisme de Kubrick, qui serait pas seulement un symptôme, mais je dirais presque une passion qui se révèle à travers le médium. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire, ensuite je passerai le micro pour si vous voulez poser des questions, sur ce rôle du psychologique dans les films de Kubrick et dans lesquels, et quelle est l'importance vraiment. L'autre chose, c'est le choix d'acteur. Est-ce que le choix d'acteur, il est... Dans quel film ils sont mieux choisis par rapport à d'autres en rapport au personnage, parce que parfois j'ai l'impression qu'il est très préoccupé par des acteurs en vogue, et est-ce qu'ils sont toujours adéquats au personnage? Et puis l'autre chose que vous avez aussi attiré l'attention, c'est l'importance des peintures, ça veut dire du visuel, qu'on ne cesse de revenir, mais qui peut aller des peintures dans Barry Lyndon, puis c'est une reproduction de tableaux, jusqu'à cette question justement psychodélique de 2001. Il faut se rappeler que 2001, c'est... ça a été fait en 1968, donc il fête 50 ans, c'est un film 68 ans. Vraiment psychodélique dans ce moment de la rupture de l'espace-temps. Alors si je reviens à la question du perfectionnisme, je pense que un des endroits où on voit le perfectionnisme de Kubrick, c'est dans Barry Lyndon. Dans Barry Lyndon, il faut dire qu'il a décidé de faire toutes les scènes
dans de vrais lieux, dans de vrais illuminés par de vraies bougies, ce qui a posé des problèmes technologiques extrêmement importants, puisqu'il a dû prendre des vides, des caméras construites par la NASA pour filmer dans la Lune et qu'il a filmé les vraies bougies dans Barry Lyndon. Donc on revient à la question de la technologie pour exprimer une passion qui est propre à public, qui est le perfectionnisme. Mais bon, il y aurait aussi ces autres-là, l'angoisse, la mélancolie, l'agressivité. Je vais prendre 2-3 notes. Ça, c'est le moment angoissant de la présentation. Alors, par rapport au rôle du psychologique chez Kubrick, en tout cas, il parle de différentes figures de l'humain. J'ai cité pas mal la jalousie. C'est vrai qu'elle se retrouve dans Eyes Wide Shut, où il y a tout ce thème de la jalousie qui rend fou les personnages. Enfin, le héros, évidemment, j'ai plus son nom dans Eyes Wide Shut, c'est... C'est des blancs, névrotiques. Son nom d'acteur. Tom Cruise, voilà, merci. Voilà, Tom Cruise a comme ça des flashbacks, il pense, il imagine sa femme. Parce qu'il y a un moment donné, il y a une scène de jalousie sur un invité à une fête, et puis sa femme lui fait une crise de jalousie. Sa vraie femme lui fait une crise de jalousie. Oui, à l'époque, ils étaient mariés, en plus. Donc certainement, par rapport à la cheville coup double, il y avait probablement, enfin, j'ai pas lu de critique là autour, mais le choix n'a peut-être pas été fait par hasard. Dans ce film. Il provoque l'émotion aussi des acteurs. Oui. Dans Shining. Tout à fait. La mère du petit enfant a dit que ça avait été extrêmement. Il y avait des moments qui avaient été très très difficiles où Stanley Kubrick en était même arrivé à la faire pleurer pour extraire le meilleur d'elle-même. Il pousse les acteurs. Il les pousse. En tout cas, pour revenir à ce rôle du psychologique, il y a ce thème de la jalousie qui revient beaucoup, donc dont je parlais d'Eyes Wide Shut, cette scène dans la chambre, les deux protagonistes fument un pétard et puis Nicole Kidman se met à faire une crise de jalousie vis-à-vis de Tom Cruise et puis ensuite elle lui avoue qu'elle avait un fantasme par rapport à un officier et puis il devient... il est traumatisé par cela, Tom Cruise, et il a des flashbacks de ça. Il s'imagine sa femme en train de coucher avec cet officier. Le thème de la jalousie est repris dans Lolita, dans le baiser du tueur. C'est des thèmes qui reviennent énormément. Il y a toute la question de l'aliénation de l'humain, que j'ai cité par exemple Full Metal Jacket. Enfin, il y a beaucoup de thématiques. Vous parlez de ces films sont... Est-ce qu'il y a eu un moment où il est devenu psychologique? Parce que son film préféré, c'était Eyes Wide Shut, en tout cas à la fin. Alors là, il y a plus une atmosphère de polar psychologique, contrairement à 2001, l'Odyssée de l'espace, ou qui a un côté peut-être plus métaphysique. Maintenant, si je ne me trompe pas, je crois que Stanley Kubrick, en tout cas, n'aimait pas forcément commenter ses films, et il laissait, comme beaucoup d'artistes, hein, d'ailleurs, si on demande à un artiste, qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, ça les emmerde un peu, ça casse un peu la poésie de la chose, et ça, c'est quand même assez contemporain, justement. On parlait de Marcel Duchamp. Et ben, il y a la question de la création, l'œuvre, elle n'est pas seulement faite par un artiste, et puis le spectateur regarde l'œuvre, et puis aura tout le décodage. Mais finalement, c'est cette interaction entre l'œuvre et le spectateur qui va donner une couleur et une valeur. Donc voilà probablement pourquoi aussi Stanley Kubrick n'aimait pas commenter ce film. Maintenant, concernant le choix d'acteur, je n'ai pas tellement lu là autour, mais il y avait
Ce qui m'a frappé, c'est dans Lolita, par exemple, Peter Sellers joue le rôle de quelqu'un de très excessif. Et si je ne me trompe pas, Peter Sellers avait aussi décédé d'excès. Je crois qu'il avait, je ne sais plus s'il avait une addiction à l'alcool ou il est décédé de toxicomanie, mais il est décédé, je crois, assez relativement jeune. Sinon, dans le choix d'acteur, est-ce que Kirk Douglas, enfin, en tout cas, il incarne extrêmement bien cette droiture du capitaine Dax, une physique très masculine. Est-ce qu'il incarne Spartacus ? Aussi, oui. On sait qu'il incarne bien ce personnage de Spartacus, un esclave. Ah, ben dans le film, il est plus qu'un esclave. C'est un esclave. Il est un libérateur. Trop orgueilleux. Mais je vais céder la parole. Non, je voulais juste en voix off demander à Renato qu'est-ce qu'il voulait dire par psychologique dans l'étude. Qu'est-ce que tu entends par psychologique ? Par psychologique, la question des passions, essentiellement. Des émotions ? Des passions. Et c'est pour ça que je pose, et je dirais même chez Kubrick, plus des pulsions que des passions, parce qu'il est beaucoup dans les pulsions primaires. Dans l'agressivité, la sexualité, la question de l'amour, par exemple, je ne suis pas sûr, elle s'évanouit un peu. Alors moi, par rapport à la scène avec Tom Cruise et sa femme, comment elle s'appelle déjà ? Nicole. Par rapport au psychologique, je ne suis pas sûre, elle n'est pas jalouse, Nicole, d'avoir vu son homme main dans la main, flanqué de deux nanas. C'est pas ça qui l'énerve ou qui la... C'est que il ne voit pas le problème. Il peut se laisser guider par deux femmes. Il rencontre un compère dont il doit faire le diagnostic d'une prostituée avec laquelle il est, qui fait une overdose. Il circule dans ces espaces sans jamais se poser sans aucune question, en fait. Donc il est innocent, en fait. Et cette Nicole Kidman, qui est sa femme, qui, elle, a une vie intérieure, émotionnelle, qui voit ce qui permet ou ce qui empêche une relation, ne peut pas supporter que son mari pense que quand il est... dans son cabinet, les femmes qui rentrent chez lui, c'est des patientes. Et puis oui, parce que je suis dans mon cabinet, et puis que c'est comme ça. Et puis alors, quand il a une soirée, il a une soirée, et puis il est l'invité, et puis il n'est que l'invité. Et puis après, quand il est dans une orgie, il est un témoin invisible. Bah oui, parce qu'il a une cape et que personne ne le voit. En fait, il est complètement innocent, il traverse les espaces, il est complètement manipulé. Et alors elle se dit, mais avec qui je suis ? Est-ce qu'il est en lien ? Est-ce qu'il aime ? Est-ce qu'il est capable ? Est-ce qu'il est humain ? Ou est-ce qu'il est cette enveloppe sans forme qui suit, quoi ? Donc moi, je pense que c'est là où le psychologique, peut-être, chez Kubrick a lieu. Hein, il ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faut comprendre, mais il montre un peu ses tensions à l'œuvre. Il les met en scène. Oui, là, ça devient très subtil. Au contraire, dans d'autres films où on a l'impression justement que c'est les questions primaires qui viennent. Bon, il faut dire que, par exemple, dans Docteur Folamour, ce film, il est absolument extraordinaire parce que c'est si Kubrick, il présente beaucoup la violence de façon crue. Là, il met les choses avec humour. Hein, et en utilisant l'âme de choix d'acteur, il n'y a rien à dire. C'est extraordinaire, là, le Peter Sellers dans ce triple rôle de Peter Sellers. C'est un petit chef-d'œuvre. D'ailleurs, ce film, il y a plusieurs films de Kubrick qui sont considérés entre les 100 meilleurs de toute l'histoire du cinéma, et dont Dr. Faramir. Je ne sais pas si vous souhaitez poser une question. Je ne suis pas sûr que je capte ça si long. D'accord. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça, mais
le thème musical principal de l'Odyssée de l'espace. C'est une œuvre de Richard Strauss qui s'appelle All the Sparks are to Star. Ah, oui. Donc je me demandais si vous avez déjà pensé s'il y a une relation entre le subhumain de Nietzsche et l'évolution de l'humain comme l'imagine Arthur C. Clarke et par extension Kubrick. Ça c'est ma question. Là, il nous faudrait un film genre, on a oublié d'appeler... Mais c'est vrai qu'il y a la question de l'éternel retour, et puis à la fin du film, on se retrouve avec le fœtus. Moi, j'ai pensé à ça, mais j'ai pas... Mais le film, pas... proprement dit. Vous-même, vous pourriez nous dire un peu plus sur la question du surhumain de Nietzsche? Je n'ose pas trop en parler parce que c'est des sujets qui sont assez profonds philosophiquement. Je ne suis pas du tout en position de parler de ça, mais disons que c'est un peu, il y a un côté d'espoir dans le concept du surhumain qui se lie un petit peu aussi à l'évolution de l'être humain à quelque chose de supérieur intellectuellement. Donc, c'était juste un petit commentaire, quoi. Je pense que ça pourrait être intéressant. Oui, vous souhaitez parler de Shining? Je ne suis pas vraiment qualifié pour en parler. Je voulais venir et accompagner une personne qui s'appelle Scorpel, qui a fait un énorme travail sur Shining. C'est tout simplement magnifique de l'entendre. Parce que je crois que Kubrick, si on veut vraiment s'y pencher, chaque film demande une somme de travail énorme. Et il en parlait, et moi je ne suis pas du tout qualifié. Je suis venu avec ses amis, et il est en quelque sorte avec nous via la technique, c'est ce que vous avez été filmé. Il s'intéressait, mais il était obligé d'être à Paris pour son prochain spectacle. Ce qu'on appelle étant magicien, joueur d'échecs comme Stanley Kubrick. Oui, c'est ça, il était joueur d'échecs. Voilà. Et il me semble qu'il y a une thématique récurrente chez Kubrick qui est la question de la manipulation de l'esprit. Parce que dans Shining, si on étudie ça soigneusement, et notamment avec ce travail de Scorpel qui va faire probablement l'objet d'un spectacle, on s'aperçoit tout à fait pleinement de cette histoire, avec des images, comment on dit, vous savez, des images, quand elles passent très vite, subliminales. Tout ça est présent à l'intérieur du film. Dans ce film, il s'accompagne d'un magicien, n'est-ce pas, professionnel, qui le guide, etc. Il pousse les choses à un point très précis pour induire chez le spectateur certaines pensées. Et moi, il me semble, et ça c'est mon interprétation personnelle, qu'il dénonce dans tous ses films, quand même, les petits blancs avec l'extrême droite, comme les États-Unis, et éventuellement avec les Sentiers de la Gloire, ce général comme ça très arrogant, etc., qui pour ses vanités, disons, condamne à mort trois soldats, etc. Et je crois que c'est omniprésent dans le documentaire, que je ne connais pas énormément, je ne suis pas vraiment qualifié pour. Pour parler pleinement, il se trouve que c'est un peu une belle conjonction qui m'a amené ici, dans le sens où, juste une semaine avant de recevoir l'invitation, dont je vous remercie de m'avoir adressé, j'assistais à un week-end de Scorpel sur cette thématique de Shining. Je crois que chaque film mériterait. Scorpel, c'est une sorte de 900 pages qui a fait. C'est poussé que sur Shining. C'est très énorme. Et je pense que ça voudrait vraiment le coup de l'écouter. Ça mériterait une soirée que sur ça. Une soirée, nous ça nous a fait un week-end que sur ça, et c'était très court. Et c'est vrai que chaque plan, si on commence à l'analyser, il y a 10 000 choses à faire. Il y a chaque tableau qui est dans un plan est représentatif de quelque chose. Bien sûr, sur le locos, sur la tuerie des Indiens, donc le fait que l'hôtel soit sur un cimetière indien. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas deviner, et en particulier en ce qui concerne la psychanalyse, ce qu'on a découvert, c'est que dans le
le bureau du directeur de l'hôtel, il y a le fameux livre de Jung, oui, sur les rêves. Et comment peut-on s'en rendre compte, enfin, c'est, nous l'a découvert. Pour qu'il y ait ce livre sur le bureau du directeur dans Shining, il était forcément très proche. Qui lui a cessé d'une certaine façon d'être psychanalyste très tôt dans sa carrière, à mon avis, mais enfin, ça c'est une idée que tout le monde ne partage peut-être pas, et qui à la fin de sa vie est devenu alchimiste. Voilà. Et on n'a plus entendu parler de lui une fois que le livre rouge avait été publié, semble-t-il. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Non, Jung. Parce qu'à l'époque de Shining, il n'y avait qu'un seul exemplaire qui avait été édité, c'était l'exemplaire de Jung, qui semble-t-il manuscrit et relié de sa main. Et l'exemplaire qui est dans le film, c'est l'exemplaire qui a été édité par la suite. Et dans le film, il y a des détails tout à fait étonnants. Il s'agit du massacre des Indiens, de la manipulation de l'esprit par la CIA, les autorités, les administrations diverses américaines qui se trouvent ces choses-là. Et par exemple, il y a pas mal de tableaux. Il les met dans une salle, il les transpose dans une autre salle, il les met dans une certaine sens, il les met dans un endroit. Pour le hasard. Rien n'est laissé au hasard, c'est vraiment construit comme une partie d'échec. Avec les images subliminales, avec des magiciens qui le conseillent, et le sens du détail poussé à l'extrême, puisque Shining a été financé par les deniers propres de Kubrick. Vous parliez d'une allusion à son goût pour le bénéfice. Il avait 140 jours pour tourner le film, et il a dépensé une semaine sans tourner, simplement parce qu'il fallait changer les cendriers de l'hôtel, puisque les cendriers de l'hôtel étaient les cendriers au départ qui avaient été amenés étaient en 1930 et que l'histoire se passe en 1920. Et donc c'était pas les mêmes cendriers. Et il a été chercher pendant une semaine des bons cendriers. C'est comme une constellation, si un cendrier ne joue pas, la construction s'effondre. Voilà, exactement. Bon, d'ailleurs, il n'y a rien d'étonnant, il a fait que 13 longs métrages. Une carrière, oui. Un film, au début, de l'espace, on t'explosait, la production était extrêmement angoissée. Se demander ce que ça va être en 2001 que le film va paraître. Tout à fait. Et puis, mais je crois que ça sera simplement une très bonne idée quand Scorsese viendra en Suisse. Je lance les invitations, je ne sais pas où, si je ne sais pas trop. Alors si Kubrick il avait cette attirance par Jung, il faut dire que Eyes Wide Shut, c'est un peu freudien, non ? Pas seulement pour le choix de Schnitzler, mais lorsqu'on pense la question du rêve-réalité dans le film, par exemple, la femme, elle est dans le fantasme. Lui, il serait dans la réalité. Et si on voit la réalité de ce qui se passe, ça veut dire cette aventure-là d'une recherche de rapport sexuel qu'il a pendant presque 24 heures, c'est construit comme un rêve, cette réalité. Il ne réussit pas à fuck, comme on dirait, comme il termine le film, il ne réussit pas. Chaque fois qu'il est en train, qu'il arrive tout près qu'il est chez la prostituée et qu'on pense qu'il va passer à l'acte, voilà que le téléphone sonne, il y a toujours un obstacle, exactement comme de la rêve. Vous avez parlé de la question idéologique de dénoncer l'extrême droite. Il y a aussi l'histoire de la dialectique. Je pense que qu'est-ce qu'il y a eu dans Eyes Wide Shut, dans le choix de Tom Cruise? Je pense que c'était lié. Parce que sa fille était dans le groupe de la Scientologie et oui. Le choix de Tom Cruise, c'était pour qui était dans la Scientologie. Je n'ai pas compris tellement le rapport, mais peut-être qu'il voulait... En fait, c'était pour la ramener à lui, c'est-à-dire qu'il oui, la perdait, il voilà. La perdait, il a trouvé cette possibilité, le lien avec de Tom Cruise pour tenter
un rapprochement avec, avec voilà. Ça. D'autres commentaires? Et qu'elle a sorti, elle a en effet quitté la scientologie, mais à sa mort, à la mort de son père. Après, à la mort. J'ai peut-être un petit commentaire. Toute cette question de la réalité, l'irréalité, de ce qu'on voit, bah, c'est aussi abordé en partie dans Horloge Mécanique. Il y a une scène, notamment dont le héros subit ses séances de désensibilisation, où il lui fait écouter du Beethoven en voyant des scènes horribles qui le font vomir pour le faire désensibiliser. À un moment donné, il dit cette phrase: c'est drôle, les couleurs du monde réel ne paraissent réelles que lookées, parce que c'est le néologisme, lookées sur un écran. Voilà, c'est aussi cette thématique-là qui est abordée. Et on ne sait pas s'il se joue du spectateur, enfin, je crois qu'il y a des thèses là autour, s'il se joue du spectateur, si finalement le spectateur croit voir la réalité, mais en fait ce sont des images, enfin, il y a tout un jeu avec le spectateur. Oui. Il y a un fil ici qui m'empêche de... Pour revenir à aux questions que votre voisine se posait au début, j'ai un peu bloqué là-dessus. Pour vous trois, finalement, c'est quoi la définition d'humanité? Parce que vous êtes interrogé, vous avez fait plein de questions par rapport à ça. Ensuite, votre voisin, parlant de différents écritures, il dit à tel moment, le personnage devient plus humain, il devient moins humain. Parfois, on dit de personnes qu'elles sont très humaines, alors qu'elles font des choses totalement humaines. Parfois, on dit que les animaux sont plus humains que les hommes. Alors finalement, pour vous, c'est quoi l'humanité? Parce que l'humanité, elle est forcément rattachée à l'homme. Et est-ce que finalement, l'humanité, on peut la rattacher à n'importe quel être vivant qui a tel ou tel comportement? Ce sera une réponse forcément incomplète, mais je pense que l'humain, c'est cette négociation avec l'informe, et c'est la conscience d'une impermanence, en fait, que l'humain, c'est quelque chose au travail, quelque part, entre des humains et des non-humains et d'autres humains, en fait. Ça c'est ça pour moi, l'humain, et c'est cette espèce de dialogue avec les outils qu'il produit, des outils qui sont des prolongations de lui-même, qui permettent d'aller au contact du monde, à être dans le monde, à mieux se saisir au sein des choses du monde vivant, en fait. Et donc, l'humain, c'est cette constante tension, cette constante quête, en fait. Oui, mais c'est une bonne remarque, parce que quelle est la différence, justement, entre l'humain et l'humain? Parce qu'on a l'impression qu'à partir du moment où l'humain commence à non seulement à créer des outils, il commence à humaniser tout autour, justement, les animaux. Maintenant, on vient de découvrir que les végétaux, ils communiquent entre eux. On a l'impression que tout devient social autour. Mais bon, je ne sais pas si Kubrick, il va jusqu'à des questions à ce point développées. Ou si c'est finalement nos extrapolations. Maintenant, il est parfait, alors il y a tout simplement pensé. Hein. Voilà. Bon, alors en tout cas, j'aimerais remercier Axel Schlieffel et Marc-Antoine Lanty, et puis à une prochaine. Merci.